Tu sais que Jésus descendra au dernier jour, mais comment s'y prendra-t-il? Exactement. Un pécheur comme vous racheté, mais imparfait, peut-il être à l'image du cœur de Dieu? Car toi, encore pécheur, tu as été sauvé par Jésus et ne compte plus pas. Cela ne veut pas dire que tu ne pèches pas. Comment devenir saint si tu ne changes pas? La seconde incarnation n'est plus sacrifice d'expiation. Elle vise à sauver tout ce qui fut racheté du péché. Changer, se libérant de Satan, il retourne devant le trône de Dieu. Ainsi seulement l'homme peut être pleinement sanctifié. Méchanceté, et pourtant tu veux descendre avec Jésus. Bonne chance. Tu as manqué une étape dans ta croyance en Dieu. Te voilà racheté, mais pas changé, afin que tu sois à l'image du cœur de Dieu. Il doit lui-même œuvrer pour te changer et te purifier. La seconde incarnation n'est plus sacrifice d'expiation. Elle vise à sauver tout ce qui fut racheté du péché. Ainsi pardonne. Une fois changé, se libérant de Satan, il retourne devant le trône de Dieu. Ainsi seulement l'homme peut être pleinement sanctifié. Les bénédictions de Dieu. Car tu as manqué une étape dans la gestion de Dieu. L'étape clé où l'homme change et se perfectionne. Et donc toi, pécheur acheté, racheté du péché, ainsi pardonné, il peut être purifié, libéré du péché, une fois changé, se libérant de Satan,
trône de Dieu. Ainsi seulement l'homme peut être pleinement sanctifié.